Initiative récente à Pointe-Noire, le Moyo Baja a organisé sa deuxième édition du 2 au 3 février à la Pointe Indienne avec l'appui du préfet du département du Kwilu, Paul Adondi Bouilou. C'est une course automobile pour les jeunes, les vieux, les vétérans, les amateurs. C'est une course de voitures RZR, X3, buggy, moto et quad. Et alors c'est une course qui se situe sur un circuit d'environ 7 km. Et sur un circuit fermé. C'est une endurance de 3 heures et tous les pilotes sont amenés à faire le plus de tours sur 3 heures. Compétition mécanique regroupant des coureurs amateurs dans différentes catégories. Cette année 2019 a-t-il poursuivi une soixantaine de participants à pris part à la course. Alors il y a plusieurs catégories. Il y a la catégorie moto confondue en duo ou en solo, donc celui qui veut courir à double ou seul, et la catégorie quad. Nous avons une deuxième catégorie, c'est les 4 roues, donc les X3, les RZR, les buggy, toujours en duo et en solo sur 3 heures, et on a une petite catégorie, les mini, qui sont, on appelle les jeunes à se faire valoir sur les motos et montrer leur endurance et qu'est-ce qu'ils valent. Quelles sont les motivations de ce rendez-vous qui fédère les passionnés de la vitesse et de la mécanique? La course Le Moyo Baja, il est en collaboration avec la préfecture, M. Adam, qui nous aide énormément. Donc on essaie de faire promouvoir le Kwilu et d'amener une course automobile qui pourrait devenir internationale au Congo. Bon, sur ce point de vue-là, on a rencontré beaucoup de petits problèmes. Peut-être qu'on arrivera, avec les autorités, à promouvoir ce sport, que ça devienne un sport mondialement reconnu, international, et que chaque année, la 3e, la 4e, la 5e et la 10e édition, ça va pouvoir perdurer. Je voudrais aller beaucoup plus loin, et bien évidemment, là aujourd'hui, je fais quand même appel aux autorités. J'aimerais bien rencontrer les autorités de haut niveau. Si peut-être Monsieur le Président pouvait me recevoir, ce serait merveilleux. Et qu'il puisse me donner l'accès libre à promouvoir ce sport. Et si j'avais les avals de M. le Président, on pourrait aller à Wesso ou partout au Congo. Organisé selon les règles d'une course moderne avec des jurys, commissaires de course, assistance des automobiles, etc., cette course a apporté un dynamisme économique autour du circuit pendant le déroulement de l'événement.